en tout cas, tu vois, là, jusqu'ici, on a l'impression que tout va bien se passer. Bah là, moi, j'arrête la vidéo, là, je lui serre la main. Ouais. Ah, là, c'est foutu. là, depuis 10 secondes, il est parti. Putain, il a mis combien de temps à craquer? Où vous soyez, on vous retrouve. C'est pas le cas, là, t'es shitcoiner. Ouais, bah là, il a pété un peu. Encore une fois, tous les bitcoiners et tous les gens n'étaient pas sur FTX. Tout le monde. Moi, oui. Tu vas aller shitcoiner, là. Bah non, Iris, tu dis n'importe quoi, genre. Oui, il est pas du tout maximaliste. C'est que ça laisse penser aux gens de se dire, on va aller trouver le nouveau bitcoin. Et le problème, ils vont tomber sur quoi? Ils vont tomber sur un scam. C'est là qu'on voit que le proof of stake ne marche pas. Lui, imprime monnaie et solution communisme. Sans qu'ils se disent, ah, je suis en train d'utiliser du bitcoin, c'est compliqué. C'est le premier truc qui lui vient dans la tête, j'ai un peu l'impression que c'est un mytho, du coup. Pour l'instant, on se fait chier, hein. What's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called bitcoin, right? Right? There is no second best. On se retrouve à nouveau avec Alex pour décrypter une vidéo de Idriss Aberkane. Il a sorti là il y a quelques heures. Le titre, c'est « La NSA s'empare de l'écosystème crypto ?» Point d'interrogation. On va essayer d'un peu de revoir les arguments qui ont été mentionnés. On avait déjà fait un post sous sa vidéo en disant que déjà il y avait des trucs sur lesquels c'était un peu limite. Du genre la proof of useful work qui mettait en avant, dont on n'est vraiment pas sûr de l'intérêt, voilà. Et bah voilà. Moi je vais découvrir la vidéo, lui il a triché, il l'a vu juste avant. Moi ça va être totale surprise. Par rapport au personnage Aberkane, nous on n'a pas un avis très forgé. Il fait des trucs bien, il permet aux gens de se réveiller sur certains trucs et au moins d'avoir un esprit assez cryptique. Dédicace sur Twitter. Un esprit assez sceptique, au moins de se poser des questions. Après, on n'est pas d'accord sur tout, loin de là. Le fond, des fois, est un peu flou. Mais au moins, c'est un bon lanceur d'alerte, on va dire. Et donc, habituellement, ses contenus sont quand même pas mal. Faut pas les prendre toujours au premier degré. Mais a priori, celle-là, pas top top. Ouais, tu vois, ça va. Mais il y a des points sur lesquels voilà, fallait qu'on revienne. Bah, j'ai hâte de voir ça. Avant qu'on commence la vidéo, petit spoiler, on va faire mieux que ça. Là, on va faire semblant que c'est au début et ouais. On va dire on a une annonce. Ouais, et on va laisser ce que tu viens de dire. Avant qu'on commence la vidéo, petit spoiler, on a une annonce à vous faire, mais on va attendre puisqu'on veut que vous regardiez tout. Donc, à tout à l'heure. C'est bien, non? Mais après, il y aura la question du cours. C'est-à-dire, vous avez l'arme financière aussi. Alors ça, c'est plutôt la CIA, en général, qui est douée là-dessus. Créer des hedge funds, créer des sociétés écrans, etc. Ça, c'est plutôt leur job. Et aujourd'hui, avec l'ETF crypto-monnaie qui va être fait par BlackRock, le dernier bastion, c'est le Bitcoin. Et oui, c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi je suis maximaliste. Moi, en fait, fondamentalement, je suis un cypherpunk, un crypto-anarchiste. Je suis politiquement contre tous les projets préminés. Des projets où les fondateurs préminent leur crypto-monnaie, se la distribuent entre eux, peuvent à tout moment agir dessus. Je veux bien être pour d'un point de vue spéculatif, d'un point de vue purement économique, mais à l'échelle de mon idéal politique, je suis contre. Donc, ça ne veut pas dire que pragmatiquement, je ne vais pas vous dire à une époque telle crypto était intéressante ou pas intéressante, mais mon idéal politique, c'est le Bitcoin. Là déjà, on apprend un truc quand même. Moi je n'étais pas au courant à ce point-là qu'il avait pris cette position. En vrai, c'est intéressant. Ça, bah, moi, je le rejoins. Oui, c'est vrai que pour une fois, on est d'accord avec la personne qu'on critique. Donc, c'est important de le souligner. Et je pense qu'on le soulignera jamais assez que Bitcoin est la seule crypto, enfin, d'ailleurs, pour moi, c'est pas une crypto-monnaie, mais bref, et qui a cette espèce d'immaculée conception où, sortie de nulle part, on l'a seulement minée et il n'y a pas une tête pensante, un gourou derrière que les gens pourraient suivre. Aujourd'hui, il y a des personnes influentes, mais il n'y a pas une tête qu'on peut couper. Il faut couper un paquet, dont la nôtre. Donc voilà, c'est bien la différence avec un Ethereum qui a été préminé et dont bah, en fait, tu coupes la tête de Vitalik, tu ne sais pas trop ce qui se passe après. Il y a peut-être, on peut peut-être juste citer Monero, où pareil, on a du mal à identifier une tête. C'est un peu les mêmes propriétés que Bitcoin. Le seul souci, c'est que dans ce nouveau marché qui a créé Bitcoin de la Proof of Work, au final, on pense qu'il y a, il va y avoir qu'un seul vainqueur, en fait. À la fois la Proof of Work et
l'outil monétaire, en fait. Ça fait au fur et à mesure un effet de réseau, et en fait, c'est celui qui arrive à cumuler le plus d'utilisateurs, et en plus qui est le plus rare et dont les propriétés sont les plus intéressantes, normalement, qui à terme gagne. Et si vous regardez aujourd'hui la paire Monero-Bitcoin, en fait, on voit qu'il a déjà gagné. On refera sûrement une vidéo sur ce sujet, parce que je trouve qu'à chaque fois on en revient, il est assez intéressant. Du coup, Monero, futur layer 2 Bitcoin ? Peut-être, sûrement même. Une monnaie pas préminée, vraiment décentralisée, avec aucune possibilité d'en contrôler l'inflation de façon centralisée, et une monnaie qu'on ne peut pas poursuivre en justice. Et oui, l'Ethereum, il y a une fondation en Suisse, Adzouk. Si cette fondation est poursuivie, vous avez tout l'écosystème Ethereum qui peut se péter la gueule. Alors, il survivra, il y aura des gens qui vont le forquer, il y aura des solutions, mais ça serait dévastateur sur l'écosystème Ethereum d'avoir cette fondation poursuivie. Pareil dans la structure politique de Solana, pareil dans la structure politique d'Avalanche, ce que vous voulez. Et ça, c'est la force, la supériorité, même conceptuelle, du Bitcoin. Le Bitcoin est vraiment décentralisé. En ce temps, on se fait chier. Hein. Je suis d'accord avec. Je t'avais prévenu. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, et il fait bien de souligner, c'est exactement ce qu'on disait. Pas de fondation, pas d'organisation autour, et bah, ça change tout. Et alors, je connais pas la structure de Solana et Avax, mais je suppose que c'est un peu la même merde qu'Ethereum. Tu en avais parlé. Je pense que c'est bien pire d'ailleurs. Alors non, de Solana, fallait faire un dossier d'inscription presque. Solana, pour rejoindre c'est pour le devenir nœud. Déjà, faut posséder une quantité de Solana aberrante. Faut avoir de quoi faire décoller une fusée en termes d'infra. Et oui, il faut être inscrit à la Solana Foundation, comme ça, il y a des listes. C'est aberrant. On critique beaucoup Ripple pour ça, parce que Ripple, c'est un peu le même fonctionnement pour être validateur. Solana, c'est le même combat. Je crois qu'en plus, c'est une galère pour être rentable. Bref, on n'est pas là pour taper sur eux, mais on aime bien quand même. En tout cas, tu vois, là, jusqu'ici, on a l'impression que tout va bien se passer. Bah là, moi, j'arrête la vidéo là, je lui serre la main. Ouais, c'est ça. Et tu vas voir qu'il nous réserve des petites surprises. N'a jamais été préminé et vraiment distribué. Mais il est possible de le contrôler. En contrôlant plus de 50% des nodes, vous pouvez contrôler le Bitcoin. La CIA, le FBI ont essayé. Et puis, vous pouvez aussi en contrôler le coût. Juste pour faire une précision, il dit contrôler 50% des nodes. Ouais, le terme en français, c'est des nœuds. Après, nœuds mineurs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là que le flou commence à apparaître. Ouais. Et que tu te rends compte qu'il y a peut-être un petit manque de connaissances, certains, même quand tu écoutes le reste. Et qu'en fait, il n'est peut-être pas si expert sur Bitcoin que ça. Et oui, parce que sur Bitcoin, il y a à la fois les nœuds qui sont en fait des utilisateurs comme nous, qui sont eux juste là pour utiliser Bitcoin, mais de façon totalement souveraine, où ils vont télécharger la blockchain, faire leurs propres transactions, les partager sur le réseau, agglomérer les transactions des autres, faire le boulot d'un nœud. Et en même temps, tu peux avoir après un mineur qui est souvent à la fois les deux, il est obligé parce qu'il faut qu'il accumule les transactions pour ensuite les publier dans un nouveau bloc. Mais ça, il n'en fait pas vraiment la distinction. Et c'est là-dessus, en fait, vraiment que tu peux avoir une attaque. C'est si tu as 51% de la puissance de calcul sur des nœuds mineurs, là, tu peux prendre contrôle de qu'est-ce qui va être publié ou non. Mais ça restera de toute manière 51%. Pour moi, il faut atteindre plus que 51% pour vraiment plus attaquer Bitcoin, et en plus sur du long terme. Parce qu'au final, ce que tu peux juste faire, c'est dépenser deux fois, c'est effectuer une double dépense. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies déjà un stock de BTC, que tu le redépenses à nouveau, tu peux créer une double dépense et donc t'enrichir. Mais bon, on connaît le speech habituel, quelqu'un qui fait ça, ça se voit sur le réseau. Et là, normalement, la logique voudrait que, en fait, instantanément, les gens se mettraient à vendre massivement leur BTC. Sauf que le coût d'une attaque par rapport à ce que ça peut te rapporter, en fait, il sera sûrement négatif. Après, là, vu qu'il parle d'un État, on peut partir du principe qu'un État a la planche à billets derrière lui, des fonds inépuisables. Donc, ce ne serait pas une attaque purement financière, plus une attaque contre le réseau en lui-même. Voilà, une attaque contre le réseau en lui-même. Mais je me dis, une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont ruinés, ils ont tué le réseau. Le réseau tombe, ok, et s'il se reconstruit à côté ? Ça prendra du temps, mais après, pour moi, c'est une guerre sur le long terme d'essayer de... Bah là, dans le cas des États-Unis, ce serait l'attaquant le plus légitime, parce que lui, il a le pouvoir monétaire aujourd'hui ultime. Pour lui, attaquer un réseau comme Bitcoin, c'est... C'est une journée d'impression monétaire, je crois. Ouais, c'est ça. C'est genre 300 milliards. Ça va très vite. Hein. Non, j'abuse peut-être pas une journée, quand même.
Je crois que c'est pas beaucoup plus. Attends, je crois qu'ils impriment un truc comme, je sais plus, 20 millions à la seconde. Ou... Ouais. Ou peut-être pas autant, mais voilà, dans les ordres de grandeur, c'est pas loin de ça. Mmh. Et surtout qu'en plus, c'est comme une guerre, hein, donc ça se finance facilement. Mmh. Ils ont imprimé 3000 milliards pour aller en Irak, 300 milliards pour aller sur Bitcoin, ça peut peut-être valoir le coup. Hein. Mmh. Mais ouais, en fait, ça pourrait être une attaque qui soit ouais, purement pour détruire la confiance dans le réseau, dans le... Et renforcer le dollar. Et renforcer le dollar derrière. Ouais. Et en fait, ce que tu perds, tu le gagnes tout de suite en pression acheteuse pour racheter du dollar derrière. Où c'est une attaque qui a du sens, mais qui est pas simple à opérer. Et surtout, en plus, maintenant qu'il y a un ETF, genre ça veut dire aller niquer plein d'épargnants, de gens qui ont déjà commencé à en acheter, parce qu'ils vont pas pouvoir feindre le fait qu'il y a un cours d'un côté qui est en train de s'éclater, et de l'autre côté, ils arrivent à maintenir un cours. Genre c'est... Au final, de ce point de vue-là, c'est presque une bonne nouvelle qu'il y ait un ETF et que tu aies des institutionnels qui arrivent dessus. Ça fait que bah, vouloir vraiment exploser le prix, ça serait quand même se tirer une balle dans le pied ou en tout cas... Surtout là, en plus, c'est même plus le... enfin, c'est pas que le prix que tu détruis, c'est le réseau. Donc, c'est-à-dire que tu t'incites les gens à ne plus en vouloir du tout. Donc, et le business model des ETF, hein, des fonds comme BlackRock, c'est que les gens aient envie... et entendre parler du Bitcoin, mais pas juste pour le vendre, quoi. C'est, faut que ça rentre et que ça sorte. Sinon, et puis en plus, quand on connaît le pouvoir de ces institutions sur l'État américain, on se dit que je suis pas sûr qu'ils aient intérêt à ce que... Enfin voilà, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est tellement multifactoriel, il y a tellement maintenant de prises d'intérêt, et en fait, personne n'est aligné dans la même direction. Mmh. Et c'est ce qu'on disait dans le live qu'on a fait avec les Théo Pantamis et Théo Mogenet. C'est qu'en fait, il n'y a tellement pas d'alignement d'intérêt, même au sein des États-Unis, mais même au sein du monde, qu'en fait, une attaque de la sorte, c'est possible, hein, mais c'est très, 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 très peu probable. Mais c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, mais en fait, l'arrivée de l'ETF, tout le monde l'a vu comme une mauvaise nouvelle d'un point de vue prise de contrôle, mais au final, c'est trop ça bien parce que... Ça décentralise le pouvoir. Ouais, et puis... Au final, une attaque de cet ordre-là, je sais pas, à 51%, tu essaies vraiment de détruire le réseau, genre tu la repères vite. Mmh. Et tu repères quel est l'acteur. Parce que c'est vraiment extrêmement dur à mettre en place. Et ça voudrait dire que tu aurais l'État américain qui est en train d'essayer de détruire un actif sur lequel il y a des épargnants. Tu imagines le scandale, genre à ciel ouvert. Genre c'est juste impossible. Genre ça me paraît. Le truc, c'est que l'avantage de Bitcoin, c'est que ça se voit. Mmh. C'est que tu peux faire ça sur tout, même sur l'or par exemple. Sur Bitcoin, tu peux pas faire ça. Et dès lors que ça va se voir, ça va se savoir. Et là, à moins qu'ils contrôlent vraiment tous les réseaux de communication sur Terre, ça va se savoir instantanément. Pour en faisant des ETF, bah ça c'est BlackRock. Puis attention, BlackRock, la plus grosse arme financière que l'humanité ait jamais connue. BlackRock, ils peuvent vous abattre un pays. BlackRock, c'est l'étoile noire. On n'aurait pas dû l'appeler BlackRock, on aurait dû l'appeler Blackstar. Parce que fondamentalement, il vous fait sauter la planète, BlackRock. Et quand on vous met BlackRock et Vanguard, qui contrôlent une partie de BlackRock, et Vanguard, c'est encore plus secret et select que BlackRock. Ben, quand on vous met BlackRock et Vanguard pour commencer à manipuler le cours du Bitcoin, c'est qu'on considère que c'est une forteresse sérieuse. Surtout face à un futur... désiré par le World Economic Forum et par BlackRock, de monnaie digitale, de banque centrale, dans laquelle qui vous sera interdit de dépenser dans certains produits, qui sera complètement fliqué, parce que, disons-le, c'est du flicage en violation des droits de l'homme, et qui pourra être confisqué à tout moment de toute façon. Et qui, cerise sur le gâteau, bien sûr, sera une monnaie évanescente, c'est-à-dire qu'elle disparaîtra à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Vous aurez des vrais Black Friday, où il faudra dépenser vos crédits, parce qu'en fait, on aura remplacé votre argent du peuple souverain par un bon d'achat avec une date d'expiration. Eh bien, pour faire ça... Bon, c'est bien ça ce qu'il dit, là, pour le coup, ça contrebalance. Mmh. C'est bien, je trouve qu'il explique assez bien le... Bon, là, c'est vraiment le cas extrême. Vraiment, là, on est en Chine plus. Mais c'est quand même ce qui est dit mais c'est de ce façon qui, oui, assez transparente, voilà. Souvent les discours, t'entendais encore chez les présidents si de banque. Là, il a vraiment pris tous les pires pans qu'on peut faire d'une monnaie numérique. Ça se trouve, on n'aura peut-être que l'expiration, on n'aura que la limitation de dépenses. Ils vont peut-être pas nous mettre le package d'un coup en mode « Tiens, prends ça ». J'ai quand même des doutes parce qu'au final, on a déjà ça aujourd'hui. On a les limitations de dépenses, on a les limitations de qu'est-ce que t'as le droit d'acheter. Ah, mais c'est pour notre bien.
C'est pour là, ça sera vraiment hard-codé. Quoi. Là, il n'y aura même plus besoin de faire appel à un juge. Ou. Ouais. Mais non, l'explication, elle est cool. Mais ce qui me dérange, là, c'est tu vois, il a commencé à parler de la manipulation du prix, mais il reste flou. Et il fait souvent planer cette peur sans vraiment la justifier. Tu vas voir que, en fait, pas une fois au cours de la vidéo, il va vraiment essayer de justifier comment il compte manipuler le prix. Ils peuvent déjà, parce qu'il faut en avoir le pouvoir, quoi. Accessoirement. Après, ça peut être assez simple. Tu sais, tu maintiens visuellement un prix différent de celui. Espérer, mais... J'ose espérer qu'il y a encore des vrais order book quelque part, quand même. Mais ouais, et puis de toute façon, maintenant, il y a plusieurs ETF, il y a plusieurs cours. S'il y en a un qui monte plus que l'autre, les gens ils vont commencer à se poser des questions. Ça veut dire qu'il faudrait aligner tous les ETF. C'est ça, c'est qu'il y a de la concurrence inter-ETF. Après, il y a les plateformes. Après, il y a le peer-to-peer, ou même le marché noir, au final. Il y a quand même plusieurs marchés. Et il y aura toujours un arbitrage qui sera fait à tous les niveaux. Donc normalement, ça se voit. Hein. S'il y en a un qui commence à jouer au con, je pense qu'on va essayer de voir. À moins qu'il draine vraiment 99% de la liquidité. Et encore, ça changera. Ça, il faut faire place nette sur les cryptos. Il faut contrôler qui possède les cryptos. Vous contrôlez FTX, vous contrôlez Binance, vous contrôlez crypto.com. Bah, c'est bon. Alors évidemment, les vrais cypherpunks ils vont vous dire cold wallet ou votre propre clé sur un wallet à vous. Alors ça peut être MetaMask. Ça peut être le wallet de Brave, le navigateur Brave, qui reste le meilleur navigateur au monde aujourd'hui. Mais bon, en termes d'ergonomie, Madame Michu, elle va pas faire ça. Il faut peut-être quelque chose à dire. Ouais, bah là, il a pété un plomb. C'est le premier pétage de plomb. Après, peut-être qu'il... Après, il a dit crypto avant. Il a introduit en disant crypto. Ouais. Ouais, mais c'est là quoi. Bon. C'est flou. C'est flou. Après, c'est vrai qu'il parle à une super large audience. Il n'a peut-être pas le temps de commencer à rentrer dans les définitions, mais c'est pour ça aussi qu'on est là, qu'on revient sur ce type de contenu, c'est pour remettre les points sur les i. Parce que là, ouais, il crée un flou qui est pour moi dangereux pour l'utilisateur. Et c'est cette histoire de... Vous ne pouvez pas avoir de Bitcoin sur MetaMask, déjà. Premièrement, factuellement, vous ne pouvez pas. C'est la première chose. Et puis, ce n'est pas un cold wallet aussi, parce qu'il a quand même commencé par cold wallet. Ouais, ce n'est pas du tout un cold wallet. Cold wallet, c'est... ce qu'on va appeler un hardware wallet ou à la limite un paper wallet, donc l'acide noté sur des mots ou écrite ou dans un hardware wallet. Un truc offline en fait. C'est ça. Dès que c'est débranché d'internet, déjà c'est bien. Et en plus de ça, on peut dire que c'est cold. MetaMask, c'est l'antithèse. C'est un hot wallet connecté à internet. On ne peut pas avoir Bitcoin. Donc s'il y avait un truc à capacité, c'était MetaMask en vrai. Surtout, ce qui est chiant, c'est que tu vois, il a passé du temps à dire qu'il était Bitcoin maxi, qu'il comprenait la philosophie, qu'il était que pour ça, qu'il ne mettrait jamais en avant d'autres choses que Bitcoin. Et là, d'un coup, il te lâche quoi? Des wallets où tu ne peux même pas avoir de Bitcoin. Ça veut dire que du coup, si c'est le premier truc qui lui vient dans la tête, j'ai un peu l'impression que c'est un mytho du coup. C'est que moi, c'est pas vrai. Quand on me demande de recommander un wallet, c'est vraiment le dernier qui me vient. Sauf qu'il a dit Cypherpunk. Il a dit je suis Cypherpunk. Donc c'est chaud. Hein. Surtout que parmi les wallets où tu peux acheter des shitcoins, MetaMask, c'est le pire. C'est que tu fais difficilement pire. Historiquement, il est très connu et tout, mais c'est une merde ambulante. Je crois qu'il y avait eu des dossiers là-dessus sur Infura qui était en complicité avec des services de renseignement. Et il lâchait les données. C'est obligatoire. Ouais. Et il les a décrits comme étant des bons wallets en plus avec Brave et Brave. Bon, Brave qui a son propre token aussi, tu vois. Et du coup, ça influence. C'est là un premier pas dans la shitcoin, tu vois. Alors, on pourrait s'organiser, on pourrait créer des ateliers de vulgarisation, mais les geeks, ils sont cons. Il n'y a qu'à regarder la communauté Linux aujourd'hui. Ils sont cons en matière d'ergonomie. Ils pensent que l'ergonomie, c'est pour les faibles. Ils ne veulent pas donner des cours d'ergonomie. Quand on leur parle de distribution Linux avec une bonne ergonomie, comme Ubuntu ou Mint ou autre, ils vous disent. C'est pour les faibles, ça. C'est des cons. Ils sont bêtes. D'un point de vue purement marketing, ils sont bêtes. Ils ne comprennent pas que l'intérêt, s'ils voulaient vraiment faire triompher Linux, l'intérêt, ce serait que leur grand-mère l'utilise, que c'est très, très bien d'arrêter d'être comme ça, élitiste et de le diffuser au plus grand nombre. C'est pareil pour... J'ai aussi un truc à dire. Ouais, non, mais là, par contre, tu vois, là, je suis un peu d'accord avec lui. Dans l'idée, c'est vrai que c'est aussi ce qu'on a beaucoup reproché à Bitcoin au départ et à tous les logiciels libres et open source. C'est que très souvent... reprocher aujourd'hui, hein. Ouais,
Mais après, j'ai l'impression que pour Bitcoin, la plupart des développeurs et des gens qui sont dans l'écosystème ont compris que si on veut que le projet marche, il faut qu'il soit distillé au plus grand nombre, qu'il y ait une adoption qui soit vraiment, comme dit, à Madame Michu, à ta grand-mère, à n'importe qui. Mmh. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment un point central dans les objectifs de chacune des boîtes qui sont dans l'écosystème, c'est le rendre accessible. Ouais. Et c'est pour ça, là, je ne suis pas totalement d'accord. Si vous voyez aujourd'hui les centres de recherche, ils sont là-dessus. Mmh. Ouais. Mmh. C'est vrai que, bah, de toute façon, faire évoluer la tech, entre guillemets, Bitcoin même, il n'y a plus grand-chose. Il y a plein de choses, mais c'est que maintenant, vraiment, c'est l'UX, c'est la porte d'entrée qu'il faut travailler. Après, c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, pour l'instant, la comparaison peut se faire parce que Bitcoin, ça reste assez peu accessible pour un noob, enfin, ou pour quelqu'un qui débute. C'est encore un peu sombre et il y a pas mal de chances qu'il tombe sur quelqu'un, des fois, qui soit un peu fermé et qui lui dise, genre, démerde-toi, ou qui va lui recommander un truc en peer-to-peer un peu compliqué, alors que peut-être que la première porte d'entrée, je passe un wallet Phoenix ou une connerie. C'est juste peut-être encore, mais c'est plus, je pense que c'est plus anecdotique. Et le problème, c'est que Linux, voilà, ça fait 50 ans qu'ils sont comme ça. Donc, Et au final, même si tout le monde n'a pas un ordinateur avec Linux qui tombe dessus, en fait, on utilise tous Linux. Au final, Linux a quand même gagné. Genre, je sais pas, les chiffres, ça va être genre presque 95% des serveurs qui tournent, c'est une distribution Linux qui est derrière. Tous les services, en fait, Netflix, Amazon, n'importe quoi, derrière, c'est des machines qui tournent avec Linux. Si Bitcoin déjà arrive à faire ça, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Bon, il sera peut-être pas dans les mains de chacun des utilisateurs, mais ça sera du opt-in, on aura le choix, mais il sera encore, derrière. Même pas, parce qu'au final, regarde, au final, Linux, c'est le layer one. Ouais, c'est ça. C'est le layer one de la majorité des services Internet. Ah, même Mac, c'est un fork c'est Linux. Linux Oui, c'est une base Linux. Du coup, au final, c'est exactement ce que veut Bitcoin. On ne veut pas que les gens sachent qu'ils utilisent Bitcoin de manière générale. Ce qu'on veut, c'est qu'ils utilisent le layer 5 qui va leur permettre de transacter leur SAT ou peu importe, et sans qu'ils se disent « Ah, je suis en train d'utiliser du Bitcoin, c'est compliqué. » Donc au final, je pense que ça peut être comparable. Et je pense que, ouais. Sauf que tu ne pouvais pas acheter à l'époque de parts de Linux ou du token Linux. Et c'est pour ça que Bitcoin, c'est cool. C'est vrai. Une grande partie de la communauté cypherpunk, ils veulent vraiment pas faire de vulgarisation. Ils veulent pas aider. Ils veulent pas créer des groupes simples qui permettraient à tout le monde d'avoir son wallet MetaMask, qui permettraient à tout le monde d'avoir son wallet sur Brave. Mon Dieu, ça serait génial si Brave, comme navigateur, représentait 30% de part de marché mondial. Ça me fait juste penser à un petit point en particulier. En plus, on va pouvoir faire un petit big up à Urban Tech 21, qui a fait un podcast sur le sujet des cypherpunks, sur un autre courant, les extropiens, qui sont à l'origine, voilà, de ce courant de pensée libertarien et crypto-anarchiste, ce genre de choses. Et je trouve ça intéressant parce que là, il parle du fait que les cypherpunks n'essayent pas de rendre accessible ce genre de technologie. Et en même temps, il n'a pas tort, parce que justement, Urban Tech a fait une étude là-dessus. Et quand tu suis un peu les écrits, tu te rends compte qu'en fait, au départ, ils voulaient un petit peu que ça soit une technologie pour eux, pour les libérer eux. Et qu'en fait, l'adoption de masse, c'était anecdotique et ils s'en fichaient, en fait. Et là, il n'a pas totalement tort, mais aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que pour que ça marche, il fallait que ça soit adopté, en tout cas cette technologie-là, et qu'en fait, la plupart des gens qui sont sur Bitcoin ne reflètent pas cette idéologie de base. Quoi. Bah, par exemple, le bon contre-exemple, c'est Adam Back, qui au final faisait partie de la team, et lui, il a compris qu'il fallait que tout le monde l'utilise, il fait des confs, il a monté Blockstream... Je pense que s'il n'était pas pour l'adoption, il serait dans une grotte toujours aussi riche, mais juste, je pense qu'il ne fait pas ça que purement financièrement, c'est qu'il a vraiment une idéologie derrière qui n'est pas raccord avec celle de ces cypherpunks-là. Bon, en tout cas, Satoshi aussi, accessoirement, était de cette idée. Je vous invite à aller voir le podcast de Urban Tech. Il y a déjà 8 épisodes à l'heure actuelle. Super quali, ça dure 15-16 minutes. Il a une super voix, en plus tu l'écoutes, tu voyages. Il y a un vrai travail de recherche, c'est assez incroyable. Je vous le recommande, c'est sur Spotify. Et que tous les utilisateurs de Brave avaient un peu de crypto-monnaie sur leur wallet, ça serait fantastique.
d'un point de vue humanitaire, ça serait fantastique. Ça permettrait vraiment, même d'un point de vue démocratique et politique, ça permettrait de rendre le pouvoir au peuple. Parce que le pouvoir monétaire est le pouvoir le plus puissant de tous. Il n'y a qu'à voir comment le pouvoir monétaire achète le pouvoir médiatique pour pouvoir contrôler les opinions, déterminer qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ce qui est le but de la presse aujourd'hui. Pas de chercher la vérité, mais de déterminer qui sont les gentils et les méchants. Pas de le déterminer d'une façon d'investigation. Non, de le déterminer d'une façon politique. De dire, lui, il est méchant, lui, il est gentil. Allez, il a beau avoir violé des enfants, il est gentil. Lui, il a beau avoir soigné des gens, il est méchant. Bon. C'est marrant parce que lui, il a vraiment le prisme en permanence de la parole et de la presse. Genre ça pourrait être un autre chapitre dans le livre de Sevdin sur les talons Fiat. Et, il en parle pas ? Il parle pas des médias ? Je crois pas qu'il en parle. Ouais. Bon, je pense que si on lui pose la question, il sera d'accord. Mais ce qui est un peu chiant là, c'est que dans son discours, t'as presque l'impression qu'il confond impression monétaire et juste monnaie. T'as presque l'impression qu'en fait, voilà, l'argent est capable d'acheter n'importe quoi, c'est dangereux, et en fait, t'as presque l'impression que c'est une critique du marché libre et du capitalisme. Voilà, j'entendais, moi, c'était vraiment le pouvoir monétaire, donc le pouvoir de battre monnaie. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il dit, mais c'est vrai que c'est un peu flou. Ouais, et puis j'imagine pour un lambda qui a peut-être pas fait de recherche sur le sujet, la ligne qui trace entre ces deux points, c'est juste monnaie achète ça, et c'est pas lui imprime monnaie et solution finance, communisme. C'est ça. Ouais, c'est vrai que ça peut être flou. Ouais. C'est un peu le reproche global qu'on peut lui faire, c'est qu'il est bon sur plein de sujets, même sur quasiment tous les sujets. Mais je pense que si tu prends chaque sujet indépendamment, c'est pas suffisamment profond pour qu'il puisse être expert du sujet. Et je pense que là, nous, on le ressent plus parce que c'est un sujet qu'on maîtrise très bien. Mais je pense que si un jour il parle, je sais pas, de médecine, ce qui, je crois, il a déjà fait, si tu as vraiment quelqu'un, un vrai médecin, quelqu'un qui vraiment est bon, très bon dans son domaine, peut-être qu'en l'écoutant, il va se dire « Ah ouais, mais là, c'est flou. » Donc voilà, après, c'est des trade-offs à faire, hein. Je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs, mais de manière générale, je pense que c'est le reproche qu'on peut lui faire. On a l'impression qu'il préfère souvent le sensationnel, le polémique, mais il reste souvent un peu en surface et prend juste un prisme. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais après, ça marche et ouais, c'est sa ligne directrice. Ça, pour marcher, ça marche. Ouais. Si tout le monde avait MetaMask, si tout le monde avait le wallet de Brave, ça serait fantastique, mais ce n'est pas le cas. Et une partie des cypherpunks sont responsables parce que ce sont des abrutis en matière d'ergonomie qui sont tout fiers de dire « Ah non, mais ça, c'est pour l'élite, monsieur. C'est pas fait pour n'importe qui. » Non, mais il y a un truc bizarre, là, quand même. Il dit « Il faudrait que tout le monde utilise MetaMask. Ça serait bien en termes d'air. » Et que du coup, en fait, c'est qu'aujourd'hui, MetaMask, s'il a, entre guillemets, réussi, c'est parce qu'il est bon en termes d'ergonomie. Les gens vont dessus, mais passent à côté de Bitcoin. Et lui, il a l'air de dire qu'il faudrait aller sur MetaMask, mais en fait, c'est la mauvaise solution. Ouais. Et c'est là où c'est trompeur. Ouais, et puis d'un côté, après, je sais pas c'est quoi le parcours utilisateur classique en fait, d'un mec qui entend parler de crypto Bitcoin, mais je me dis, si tu veux acheter du Bitcoin, tu te rends très vite compte qu'il faut pas installer MetaMask. Donc je pense qu'une fois que ça représente en fait la réussite de MetaMask, tient du fait que les gens préfèrent aller acheter des cryptos de manière générale et que sur MetaMask, tu peux en acheter une infinité, sauf Bitcoin, plutôt que de télécharger Sparrow. Tu peux acheter Bitcoin et rien d'autre. Enfin, je pense que c'est aussi ça qui quand même réussite. Petit disclaimer, tu peux acheter du BTC, mais ça s'appelle du WBTC. Ouais, c'est pas du BTC, du coup. Et c'est pas du BTC. Hein. Faites attention, c'est du wrap BTC. Et en fait, tu possèdes l'équivalent d'un... D'une dette, c'est ça. C'est une dette, c'est du fiat. C'est le réseau Ethereum qui te prête un billet qui est censé être collatéralisé par du Bitcoin. Mais voilà, tu retombes dans les travers du système actuel. Trust me, bro. C'est ça. Le fameux acronyme de l'influence MICE, pour les services spéciaux, qui vous donne les grands moyens, les grands effets de levier que vous pouvez avoir sur une personne, sur une source pour la contrôler.
Donc MICE, le M c'est money, le I c'est idéologie, tu te bats pour le communisme, le C c'est coercion, coercition en français, et le E c'est ego. Ah, t'es supérieur, ils te traitent mal, il faut que tu te venges, ça c'est l'ego. Bon, MICE, ça vous donne comment vous pouvez avoir un effet de levier. Bah, vous utilisez MICE sur un juge, Dieu sait que ça sera faisable, la CIA l'a fait, et vous pourrez inculper la fondation Ethereum en Suisse et tout faire péter. Pas de problème. Vraiment pas de problème, c'est faisable. Mais Bitcoin, c'est encore au-dessus. Ça me fait juste penser à un truc, mais si tu arrives à avoir ce niveau de puissance, c'est là où, pour moi, c'est encore plus dangereux, c'est qu'ils ne vont pas forcément faire péter Ethereum. Mmh. Ce qu'ils vont faire, c'est juste en prendre le contrôle, sans que tu sois au courant. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont le pouvoir de décision sur ce qui va être développé ou non, sur les directions, sur le fait que tu vas mettre des backdoors, ce genre de choses. Et c'est encore plus pernicieux que ce qu'on pense, en fait. Et en plus, surtout qu'on se faisait la réflexion hier. Ethereum, moi, je pose la question à tous ceux qui bandent sur les nouvelles qu'on peut entendre sur l'arrivée d'un ETF sur Ethereum. Ethereum, c'est du proof of stake. Si les Ethers se concentrent dans les mains d'un seul acteur, alors ils possèdent le pouvoir sur le réseau. Si un même acteur a 51% des Ethers, alors je crois qu'il faut 66%, il y a une histoire comme ça, il contrôle le réseau. Donc, il y a un truc que j'aimerais comprendre, et peut-être qu'on rate quelque chose, mais c'est un des vecteurs d'attaque aussi qui fait que, pour le coup, à la différence d'un ETF Bitcoin où une concentration des Bitcoins ne change rien, une concentration des Ethers, là, il y a un vrai problème. C'est là qu'on voit que le proof of stake ne marche pas. Ou du coup, marche si on fait beaucoup d'expériences de pensée et qu'on met des barrières partout, mais visiblement, c'est pas ce qui va se passer. Mais ouais, du coup, j'arrive pas à comprendre aussi cette histoire de... Les gens sont contents qu'il y ait un ETF Ethereum, bon, ok. Et puis, je vois pas pourquoi on se poserait pas la question sur Ether alors qu'on se la pose sur Bitcoin tous les jours, quoi. J'ai l'impression que la plupart de ces personnes-là se posent même pas de questions sur la décentralisation, sur en fait la raison d'être au départ de Bitcoin et pourquoi ils solutionnaient certains problèmes. Et pour eux, c'est juste number goes up, et si le réseau marche plus en cours de route, bah tant pis, tant que ça monte. Ouais. Voilà le souci. Bah, pour Bitcoin, il faut un plan différent, et ce plan, c'est de manipuler le cours, comme pour le cours des lingots d'or, comme pour le cours des lingots d'argent. Le but pour Bitcoin, c'est de faire ça. Et c'est là qu'arrive BlackRock, c'est là qu'arrive Vanguard, c'est là que vont arriver les autres banques. L'idée étant de totalement contrôler l'écosystème crypto, soit par les data, soit par la pression juridique possible, soit par la manipulation de cours de type pump and dump. Vous avez, parce qu'il y a des baleines aussi, le FBI par exemple possède plein de Bitcoin. Donc le FBI peut recevoir un ordre du département de la justice pour lequel il travaille, dire liquidez vos Bitcoins, voilà, ou donnez-les à la CIA. Voilà, on vous... Non, bah là, pour revenir sur la manipulation du prix... c'est quand même un sujet qui est important, parce que c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre pour l'or, parce que c'est vraiment un souci. Mais la conception de l'or et de Bitcoin, elle est totalement différente. Tu as des assurances qui sont différentes, où tu peux vraiment vérifier assez simplement s'il y a les Bitcoins ou non. Alors que pour l'or, c'est pas le cas. Tu peux voir, tu peux aller le regarder, mais tu n'es jamais sûr s'il y a vraiment de l'or sous les quelques millimètres. Tu as ça, tu as le fait que tu peux vite les récupérer. Et dès que tu as la transaction qui arrive sur ton wallet, tu es capable de vérifier si c'est ou non des bitcoins, parce qu'ils sont passés par le réseau, parce qu'ils sont arrivés sur ton wallet, parce que tu as tes clés. Et tout ça, ça fait déjà que c'est beaucoup plus dur de, entre guillemets, créer des nouveaux bitcoins sans que tu te rendes compte, parce que c'est un des vecteurs de manipulation du prix, c'est de créer une inflation. Non, et puis même, du coup, vraiment le niveau de corruption et de manipulation qu'il faudrait pour qu'on arrive à arriver à une situation où ils mentent sur le stock de bitcoin, faudrait qu'ils aient une grande imagination et de grands moyens, parce qu'il faudrait dire parce que déjà il y a des ETF là qui font des proof of reserve qui disent en gros ça c'est notre adresse, vous pouvez vérifier en temps réel ce que vous avez, mais il suffit de voir à peu près combien de BTC sont dans les mains de Coinbase et Gemini et on sait grosso modo si ça correspond avec ce qu'il y a dans les ETF. Donc je pense qu'à truquer ce serait quand même un beau bordel. Il se ferait quand même bien chier, ou alors faudrait vraiment mentir sur les inflows dans l'ETF,
les réserves de Coinbase and Co. Et là, ouais, là, c'est une dystopie. Hein. C'est possible, hein, mais ça, ça commence à faire beaucoup. Enfin, c'est beaucoup plus dur que l'or, en tout cas, c'est sûr. L'or, tu mets un peu de tungstène, de la poudre d'or dessus et ça passe, quoi. Ouais. Ouais, en plus, comme le prix, il n'est pas étroitement lié au réseau, genre, tu pourrais très facilement avoir deux marchés différents qui cohabitent. Et puis, tu as ceux qui sont contents avec un Bitcoin qui sous-performe. Mmh. Et puis d'autres bah, qui continuent d'échanger, de faire leur achat et d'en acheter. Mais sur un autre marché noir ou juste, entre guillemets, des BRICS ou du monde libre et qui déciderait ouais, d'attribuer un prix différent de manière juste grâce au marché. Quoi. Ouais. Alors maintenant, comment aller plus loin ? Bah, il ne faut pas considérer que le Bitcoin, c'est la fin du monde en matière de crypto. Il faut s'en inspirer, il faut faire mieux, il faut multiplier les monnaies complètement décentralisées, non préminées. Non préminées, j'insiste. Le futur, ce serait les Proof of Useful Work. Ah là, là c'est foutu. Ah, là, depuis 10 secondes, il est parti en couille. Putain, il a mis combien de temps à craquer ? Putain, c'est la fin en plus, les 4 dernières minutes. Ah, l'enfoiré. Ah là, là, il est... Tout ça pour au final dire en fait il faut Bitcoin, bon bah de toute façon c'est voué à disparaître, faut faire mieux. C'est dur. Du coup il est pas du tout maximaliste. Ouais, il a dit ouais c'est pas la fin du monde, en gros c'est pas la fin de l'innovation, on peut encore faire mieux. On peut créer quelque chose de totalement nouveau, de partir d'une feuille blanche, s'en inspirer un petit peu. Mais lui voilà, il veut pas innover sur Bitcoin. Il a abandonné en gros cette idée, hein, il le dit clairement, et il va avancer encore plus dans les 2-3 dernières minutes. Mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est que là, du coup, il dit bon, bah, Bitcoin, voilà, ils ont gagné, fini. Et tu vas recréer un truc. Si tu crées un truc mieux, tu lui réserves le même sort, hein, si on se met dans son schéma. Je vois pas en quoi tu vas créer un truc mieux à qui ça peut pas arriver. Pour moi, le problème de ce qu'il va dire là sur le useful work, c'est que déjà, qui détermine c'est quoi qui est useful? C'est donc ça veut dire, je vois pas comment tu peux prétendre depuis tout à l'heure. Être maximaliste, et du coup, ça a l'air quand même d'être quelqu'un qui a une pensée assez capitaliste. Et après, de prétendre, oui, on va faire du useful work, mais qu'est-ce qui est useful ? Utiliser des énergies fatales, c'est pas useful, du coup. Je comprends pas, ou alors il est pas renseigné sur le sujet, ce qui est très probable. Mmh. Parce qu'en fait, là, le danger à chaque fois avec cet argument, c'est que pour eux, il faut faire d'une pierre deux coups. Mmh. C'est qu'utiliser de l'énergie juste pour faire tourner le réseau monétaire mondial le plus important qu'on ait jamais vu, c'est pas assez. Il faut qu'en plus, les calculs qu'on réalise, ils aient un intérêt parce que c'est du calcul. En fait, c'est le problème de ce terme. Les gens, ils se disent, putain, mais je suis en train de calculer quelque chose qui n'a pas d'autre utilité que de trouver un nombre aléatoire. Et pour eux, bah en fait, on est en train de gâcher l'énergie. Mais en fait, c'est nécessaire. Si tu commences à créer d'autres motivations économiques que celle de juste faire marcher le réseau, et bah on ne connaît pas encore exactement les répercussions, mais en fait, tu en auras parce que tu vas pouvoir compromettre la rentabilité du mineur parce que bah son travail, il a d'autres intérêts économiques. Et en plus, un intérêt économique, un jour, il peut changer demain. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est useful work, mais demain, bah, ça sera inutile. Les gens vont arrêter de le faire. Tu ne peux pas te projeter dans le useful work, c'est l'antithèse même du proof of work. C'est-à-dire, le but, c'était d'inciter les gens à faire quelque chose d'inutile par pur incentive économique. Si tu rajoutes d'autres incentives, après, c'est comme si, en fait, c'est comme rajouter des subventions. En fait, c'est exactement la même chose que le système de la subvention. Même si la subvention a quelque chose de bien dans l'idée, ça va truquer les règles et ça va avoir des effets de bord. Forcément, à la fin, tu finis avec un truc moins bien. Et c'est exactement ce qui se passerait si on mettait en place un useful work. Je crois qu'il y a des projets un peu pas ouf qui le mettent en place. Je serais curieux de savoir ce qu'ils font de useful, du coup. Ça doit être un truc... Parce que je sais pas ce qu'ils font, en fait. Ils doivent afficher des données en... des nombres premiers ou je sais pas quoi... Ouais. Où ils veulent, je sais pas, permettre le calcul de. Tu sais, je crois que pour calculer de l'ADN ou des molécules, ouais. Tu sais, tourner les. Voilà, genre de trucs. Mais surtout, je voulais revenir sur. Il y avait Dergigi qui avait fait un article là-dessus. Je le mettrai peut-être dans la vidéo parce qu'il est vraiment intéressant. Mais c'est surtout que Bitcoin, en fait, il crée de A à Z son univers.
Et c'est comme ça qu'en fait, il est inattaquable, il est inarrêtable, il est aussi puissant. C'est qu'il n'y a pas un moment, à part dans le fait de faire rentrer l'énergie, il n'y a rien d'autre en fait où il est en lien avec le monde réel. Ouais. Et de là, en fait, il est capable d'être complètement indépendant et d'essayer de rajouter à nouveau un lien avec le réel par du useful work, ben en fait, tu le compromets. Mmh. Et c'est là que c'est trop fort. Ça marche bien. Hein. Parce que dans le Bitcoin, alors, qu'est-ce que c'est qu'un proof of work ? Rappelons les choses simples. Le proof of work de Bitcoin, la preuve de travail de Bitcoin, ça vient d'un filtre anti-spam développé par Adam Back. Ah oui, j'ai oublié de dire, on est quasiment sûr maintenant de savoir qui est Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin. C'est Nick Szabo. Faut être clair maintenant, je pense qu'il n'y a plus le moindre doute entre le recoupement de ses emails, des timecodes de ses échanges, et puis son légendaire lapsus où Nick Szabo, qui a créé BitGold, il a dit une fois dans un entretien, « Oui, vous savez, quand j'ai créé Bitcoin, BitGold ?» Bon, ce genre de lapsus, plus tout le reste, plus l'analyse de style aussi, du style d'écriture, pour moi, ça fait plus le moindre doute que Satoshi, c'était Nick Szabo. Est-ce qu'il a eu d'autres personnes en plus ? J'en sais rien. Mais pendant un certain temps, certains pensaient que ça pouvait être Adam Back. J'y croyais moyen, mais c'était plausible quand même, parce que c'est lui qui a créé le proof of work de Bitcoin. Donc revenons à ça. Qu'est-ce que la preuve de travail de Bitcoin ? Bah, je trouve qu'il a beaucoup de certitudes, quand même. Ouais. Ouais, en fait, là, le problème, c'est juste qu'il le met comme si c'était une vérité. Il y avait un consensus de gens, alors que... Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Il y a des hypothèses. Ouais, voilà, tout, chacun a son propre avis, en soi. Mais en vrai, ça peut autant être Nick Szabo que la NSA. Ouais, c'est ça, et puis il y a... D'ailleurs, je suis étonné qu'il ait pas cette théorie, tiens. Il y a autant de preuves qui vont dire que c'est lui qui le... La merde de démontrer. Qui le démonte. Enfin, qui le. Ouais, bon, qui disent que c'est pas le cas. Et si vous voulez, encore une fois, aller un peu plus loin dans cette recherche, je vous conseille encore une fois le podcast de Urban Tech qui s'appelle Enigma Nakamoto. Et qui, lui, essaye vraiment d'aller comprendre qui était Satoshi Nakamoto, comment on sait qu'en fait, c'est aucune de ces personnes, par pareil des recoupements d'écrits et de preuves qui font qu'en fait, on ne sait vraiment pas qui c'est. Ouais. Bon, en tout cas, il n'y a aucune certitude sur Nick Szabo, ça c'est sûr. Au départ, c'est un filtre anti-spam. Adam Back le crée, l'idée c'est en gros, vous avez quelqu'un qui veut vous spammer. Bah, Adam Back il dit, si tu veux m'écrire, si tu veux accéder à ma boîte mail, tu dois faire 40 pompes. Fondamentalement, c'est ça un proof of work. Si tu veux me parler, fais 40 pompes. Comme ça, j'ai la garantie que ce que tu as à me dire est suffisamment important pour que tu fasses 40 pompes. C'est ça un proof of work. Il y en a même dans les sociétés. Vous pouvez avoir, si tu veux accéder à tel professeur, tu dois d'abord passer un examen, tu dois d'abord passer un diplôme, tu dois d'abord être criblé du point de vue des services secrets, on doit vérifier ton identité, etc. Bah, faire un effort pour accéder à une ressource ou à quelqu'un, c'est un proof of work, c'est une preuve de travail. Et pour filtre anti-spam, bah, c'est évidemment des pompes digitales. Ta machine fait des pompes, mais du coup, quelqu'un qui voudrait envoyer 1 million d'emails, bah, il ne pourra pas faire 1 million de pompes, parce que mon filtre anti-spam considère que ma boîte est suffisamment importante qu'elle peut demander à quiconque qui veut lui écrire de faire 40 pompes ou de faire 3 tours du pâté de maison. Bon, bah, c'est ça un proof of work. Imaginez que votre voisin veut sonner à votre porte et que vous, votre sonnette, elle est spéciale. Pour que quelqu'un puisse y sonner, il doit faire 3 fois le tour de la maison en courant. Voilà, c'est un proof of work, ça évite les spams. S'il y a des gamins qui veulent sonner à votre sonnette pour vous emmerder, ils pourront pas, parce qu'ils vont pas faire 3 fois le tour de la maison, ils vont se fatiguer avant, ils vont plutôt aller sonner ailleurs. Bah, c'est ça un proof of work. Maintenant, le proof of work de Bitcoin... Ouais, juste pour ajouter, parce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il résume tout le système de sécurisation de Bitcoin à cet élément du... C'est le consensus de Nakamoto. Mmh. Alors qu'il y a aussi un autre point qui est ultra important, c'est l'adaptation, l'ajustement de la difficulté. Mmh. Enfin, le consensus de Nakamoto, c'est vraiment c'est au global. C'est justement en intégrant le tout. Mais c'est ça, mais... Oui, du coup, pour lui, le consensus de Nakamoto égale proof of work. Ouais, c'est ça. Oui, alors qu'il y a plein de briques, en fait, qui, mis les unes avec les autres, font que vraiment, t'as un système qui est robuste. Ouais. Et là, il oublie l'ajustement de la difficulté qui fait que même si t'arrivais à devenir ultra musclé, devenir robotique et faire des pompes à l'infini ultra rapidement, et même dans le cas où t'arrives à faire ça, sur Bitcoin, c'est pas possible parce qu'en fait, tu fais augmenter la difficulté pour maintenir un bloc de 10 minutes
Et ce qui est super important et qui est vraiment aussi une des grosses innovations. Ouais, et puis en fait, il y en a. Bon, je vais peut-être en oublier, mais il y a la blockchain, le proof of work, l'ajustement de la difficulté et l'incentive économique. Et c'est tout mis ensemble qui fait que ça marche. Et c'est d'ailleurs tout ce que les projets crypto oublient, c'est que généralement ils enlèvent une brique, voire deux, voire trois, et ils se disent allez, tiens, on fait un truc et tu vois, ça marche. C'est que c'est la combinaison des quatre qui fait que bah, t'as une blockchain décentralisée qui fonctionne, blablabla. Et c'est vrai que lui, il limite ça au proof of work. C'est... Bon, par contre, son explication du proof of work est bien. Ouais. Les images sont bien, mais c'est vrai que là, encore une fois, ça entretient un flou qui n'est pas terrible. Oui, vu qu'il va conforter son idée de mettre en place du proof of use full work, parce qu'en fait, il ne voit pas les autres briques qui sont liées entre elles et qui sont interdépendantes, en fait. Ouais. Il est complètement inutile. C'est pas un proof of work, parce que vous pouvez faire un proof of work utile, donc une preuve de travail utile, un proof of useful work, c'est quoi? Tu veux m'écrire, bah tu vas bêcher mon jardin. Tu veux m'écrire, mais tu vas repiquer mes tomates. Tu veux m'écrire, tu vas récolter mes aubergines, tu vas nettoyer la baraque, tu vas laver ma voiture. Ça, c'est un proof of useful work. Ça filtre les spams, et en plus, ça vous donne un travail utile. Eh ben, pour Bitcoin, il n'y a pas ça. C'est vrai. C'est une des limites de Bitcoin. Ce n'est pas un proof of useful work. On pourrait faire, en théorie des nombres, en théorie, en cryptologie chaotique, par exemple, il y aurait plein de proof of useful work qui pourraient être faites pour des nouvelles cryptos qui cohabiteraient avec le Bitcoin pour augmenter sa résilience, parce que être décentralisé, c'est bien, mais que tout dépende de la même crypto mère qui a été la seule à être complètement honorable et pure et à ne pas être préminée, à ne pas être corrompue par l'appât du gain, parce que le préminage, fondamentalement, c'est ça. Eh bien, c'est la seule, bon, avec Monero, et quelques-unes, mais bon, en avoir d'autres, c'est bien. Donc que d'autres idéalistes, que d'autres cypherpunks décident de faire des monnaies encore meilleures que le Bitcoin, pas des saloperies, d'ailleurs il n'y a qu'à regarder ce que Adam Back, qui est un total maximaliste, pensait, même d'Ethereum, pour lui c'était la mère de toutes les shitcoins, les mauvaises crypto-monnaies, bah même... C'est pas Céline ça, qui dit ça, de mother... Bah, bah elle m'a mis le doute, ouais. Peut-être que les deux sont peut-être concertés. Peut-être Céline l'a repris Adam Back, mais ouais, du coup là, son truc, c'est de la merde je trouve. Que les cypherpunks à nouveau se mettent à réfléchir à un truc. En fait, le problème, c'est qu'en disant ça, moi, ce qui me dérange, c'est que ça laisse penser aux gens de se dire on va aller trouver le nouveau Bitcoin. Et le problème, ils vont tomber sur quoi? Ils vont tomber sur un scam. C'est qu'ils vont tomber sur un... Il y a des projets qui mettent en avant un useful work. J'en ai déjà entendu parler, je suis quasiment sûr. Flux. Flux, c'est ça? Je m'en rappelle. Putain. Bah, le problème, c'est que si tu te diriges vers ça, bah, généralement, tu vas... perdre de l'argent et tu vas croire en un truc qui marchera pas. Et c'est ce qui me dérange, c'est que pour lui, en gros, il y a un truc qui va arriver. Je veux pas être trop pessimiste, mais puis même, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on fasse un truc comme il décrit. Donc voilà, n'allez pas chercher le second Bitcoin et encore moins un truc en proof of useful work ou proof of je sais pas quoi. Donc c'est pas terrible, non, là, je ne sais pas. Ouais. Après, ouais, j'ai envie de dire, on est ouvert à l'innovation, mais ouais. Il faut. C'est pas ça qu'il faut... pas sur ça qu'il faut innover en tout cas. Ouais, non mais je veux dire, s'il avait, parce que là clairement, d'après tout ce qu'on a entendu, on a l'impression qu'il est pas expert dans ce sujet, qu'il y a des gros trous, qu'il a pas passé les 200-300 000 heures sur le sujet, et pour en arriver aussi vite à cette conclusion, je trouve ça dangereux et du coup il engage sa communauté dans une direction qui est périlleuse, alors qu'au début il fait les warnings, il dit attention, la plupart c'est des scams, ça va pas. Et pourtant, en fait, sans s'en rendre compte, il est en train de retomber dans le même travers. Il se dit encore, bah voilà, c'est pas encore parfait, il y a des problèmes, alors que c'est des questions auxquelles on a déjà pensé depuis longtemps, il y a déjà eu des réponses, on s'est rendu compte des problèmes, et ça repart. Ouais, et puis du coup, là, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui regarde sa vidéo qui comprend pas trop Bitcoin. Au début, il se dit, putain, Bitcoin, c'est trop bien, je vais en acheter. Et le problème, c'est que s'il regarde sa vidéo en entier, enfin, même s'il regarde plus de la moitié, bah, en fait, il va se détourner de Bitcoin. C'est que là, à la fin de ça, tu peux pas aller vers Bitcoin parce qu'il te dit que c'est mort, que c'est contrôlé par BlackRock, et la NSA et compagnie, qu'en fait, au final, c'est pas si bien parce que ça fait pas du useful work, je sais pas ce qu'il va nous inventer après. Bah, au final, non, tu regardes ça, t'as pas envie d'acheter du Bitcoin, enfin, d'acheter au moins de t'y intéresser. Tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est mort. Par contre, je vais peut-être aller m'intéresser à Flux ou à... Ouais, c'est ça. Tu vas aller shitcoiner à la fin. En fait, ouais, c'est une cata. Adam Back considérait que même Ethereum était un shitcoin, était même la mère ou le père de tous les shitcoins. Bah, qu'on trouve de nouveaux idéalistes comme ça,
qui fasse des nouvelles crypto-monnaies parfaites sur la base du Bitcoin, ce serait la meilleure façon de battre cet OPR. Mais pour l'instant, l'Empire est en train de gagner. L'étoile noire, pardon, Black. C'est là, genre, il ne l'explique pas, en fait. Ouais. C'est quoi le lien? Ouais, c'est comme si là, ça avait déjà commencé, que ça se voyait. Pour l'instant, il n'y a rien. Ouais. Genre, et puis en quoi avoir un useful work, ça va changer quoi que ce soit? Ouais, non, je ne comprends pas. Parce qu'on pourrait mettre en avant le point de la décentralisation, que peut-être il y a des problèmes d'incentive économique, au fur et à mesure, le minage va réduire, mais tous les chiffres aujourd'hui prouvent le contraire. Non, et puis même, surtout qu'il n'a pas sorti un des seuls arguments valables. À la limite, je trouve que Richard, dans sa vidéo, enfin de GAC, dans sa vidéo où il parle d'un Bitcoin G7, là, en gros, un Bitcoin OFAC compliant et tout, les arguments sont attirés par les cheveux, on n'est pas du tout d'accord sur le sujet, mais au moins, il explique vraiment, il va au bout de sa pensée. Après, tu es d'accord ou pas avec ses postulats? C'est que lui, il donne une issue, mais tout ce qui se passe avant, c'est... Et en plus, d'après lui, ça a déjà commencé, c'est déjà le cas, et c'est quasiment fait, en fait. Et bah non. Mm. Bah non, Iloïs, tu dis n'importe quoi, genre. C'est dommage. Ouais. BlackRock est en train de gagner. La NSA s'est emparée des données de Binance, et les États-Unis contrôlent ce qui reste d'FTX. Pour l'instant, l'Empire contre-attaque face au Jedi du Bitcoin. Eh bien, il ne tient qu'au nouveau Jedi de créer un nouveau camp rebelle pour les crypto-monnaies, et de sauver l'humanité de la centralisation à outrance et fasciste et dictatoriale de sa monnaie qui l'attend d'ici 2035 si elle ne fait rien. C'est violent. Attends, 2035 en plus. Ouais, je crois que c'est les dates qui sont avancées dans le livre de Klaus Schwab, The Great Reset. Ah, il a les refs. Ouais. Bon. À la fin, elle est... Mais ouais, en plus, il y a encore cet aspect, tu sais, de... Si on allait donner des transactions de qui possède quoi, c'est genre le réseau est foutu. Mais tu fais 2-3 transactions où c'est des nouvelles adresses, bah déjà tu sais plus qui c'est. Bon, tu sais que c'est moi qui les ai envoyées, mais ça voudrait dire si tu veux vraiment être au courant de à qui je les ai envoyées, il faudrait qu'il y ait des caméras partout, il faudrait suivre tout, il faudrait vraiment là que ce soit Big Brother, tu vois. Mmh. Mais assez facilement, tu peux au moins avoir la présomption d'innocence sur le fait que bah non, je sais pas qui me les a envoyés, j'ai pas ces bitcoins. Aujourd'hui, il est impossible de prouver que ces bitcoins sont, que t'es encore en possession de tes bitcoins, en fait. Ça, c'est un truc que les gens oublient. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on a eu un accident de bateau avec nos ledgers. C'est qu'en fait, déclarer un bitcoin perdu, on peut pas te prouver qu'il est encore à toi. Après, s'il bouge et tout, ok. Mais même dans un cas où bah, toutes les adresses seraient KYC'sées, bah, au final, tu fais un coin join, donc tu les remélanges tous, ça ressort, tu sais qui est rentré, donc, mais tu sais plus qui est à qui. Donc, faudrait faire ça sur tout le réseau, faudrait flaguer tous les SAT, en fait. Et ça, on a du chemin encore, là. Mmh. On n'y est pas. Hein. Puis, il faudrait que tu puisses mettre en place des conditions de dépenses comme ce que les Covenants pourraient permettre de faire. Enfin, t'as pas mal de choses qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit vraiment problématique. Là, honnêtement, on est à des années-lumière de ça. Mmh. Franchement, on est peut-être trop optimiste, hein, mais moi, je vois aucun souci avec ça pour l'instant. Et puis, encore une fois, tous les bitcoiners et tous les gens n'étaient pas sur FTX. Moi, oui. Mais tout le monde n'était pas sur FTX. Donc, ils n'ont pas non plus les données de la Terre entière. Oui, ils ont probablement beaucoup, et tant mieux pour eux. Mais voilà, ils ont FTX. Bon, Binance, c'est sûr que ça représente une plus grosse part. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est très, très louche. Ça sent l'enfumage en plein nez. Crypto.com, sûrement. Après, il reste des plateformes chinoises. Parce que c'est vrai qu'il a quand même vachement skip, comme quoi il n'y avait pas de plateforme asiatique, chinoise. Mais je crois que KuCoin et tout, et c'est quand même des gros échangeurs où il y a du volume. Donc, il y a encore des plateformes. Et puis surtout qu'il y a des trucs, des non-KYC, j'allais dire décentralisés, mais quasiment, où tu achètes et c'est directement livré, comme mon pèlerin. Bon, Bitstack et Sachinsat, c'est KYC, mais... Bitcoin Pitch, Bitwallet... Et t'as du peer-to-peer du pur. Bisque, c'est ça. Puis oui, entre vous, vous pouvez vous en échanger. Ça s'arrêtera jamais, quoi. Ouais, puis au final, j'en suis à chaque fois, c'est les conclusions de nos vidéos, mais le discours est dangereux. Ouais, là il est dangereux. Parce qu'en plus, il fait figure au début d'autorité en disant « Oui, je suis maximaliste, je fais partie de la communauté, je suis cypherpunk, je les représente, au final, c'est ce qu'il veut dire. » Et en fait, pas du tout.
Si tu te dis maximaliste, c'est pas le cas. Là, t'es shitcoiner. C'est pas juste c'est des penchants. C'est limite, à la fin, c'est vous avez une ICO sympa, envoyez-la moi et puis c'est parti. Ouais, non, pas terrible. C'est dommage. Bah, c'est fini. Ciao. Non, bon, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit et aussi avec ce que M. Aberkan dit. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours liker, vous abonner, nous rejoindre sur Twitter, nous rejoindre d'ailleurs partout. Hein. On fait du contenu un peu partout. Bon, on vous dit à la prochaine. Normalement, il y en a une qui arrive bientôt, une autre réaction. On ne va pas s'arrêter. Où vous soyez, on vous retrouvera. Et surtout, tu as oublié de dire que les prochaines, normalement, elles vont être en live. C'est vrai. On va essayer de le mettre en place. C'est vrai ça. Que normalement, les prochaines vidéos réactions comme ça, vous pourrez réagir en même temps que nous. Donc, on mettra la vidéo en live, on se filmera. Et via le chat, vous pourrez intervenir et réagir avec nous. Donc, dites-nous en commentaire si ça vous plaît. On va peut-être même mettre ce passage au début de la vidéo. Et voilà, comme ça, au moins, vous pourrez nous dire directement dans les commentaires si c'est un truc qui vous chauffe. Nous, on pense que c'est une bonne idée. Comme ça, c'est vraiment la réaction pure et dure. Donc, voilà.